Bonjour tout le monde. Petite vidéo aujourd'hui pour vous partager une réflexion. Vous savez qu'en ce moment, on est en promotion des formations sur la communication interpersonnelle, puis c'est comme un, deux, trois. Donc, évidemment, il y a beaucoup de gens qui entendent parler de moi peut-être pour la première fois et j'ai des nouveaux messages et de nouvelles interrogations. Moi et mon équipe, on reçoit beaucoup de vos questions. Et ça m'a amené une petite réflexion que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui, particulièrement ceux et celles qui ne me connaissaient pas jusqu'à tout récemment, puis ils se demandent, bon, c'est quoi cette affaire-là, là? Psycom, c'est quoi cette affaire-là, Guillaume Dulude? C'est quoi cette affaire-là, Psycom 1, 2, 3, bon, c'est quoi encore la pogne? J'ai des questions concernant, qui évoquent une espèce de méfiance en général sur tout ce qui est enseignement en ligne, tout ce qui est gourou, tout ce qui est vendre quelque chose qui n'existe pas, tout ce qui est du charlatanisme, fumisterie. Dans un premier temps, je tiens à vous dire à quel point je vous comprends, tous ceux et celles qui sont méfiants de ce que vous trouvez en ligne par rapport à des enseignements, par rapport à des personnes qui se présentent, là, à vous, qui ont supposément des solutions extraordinaires pour votre vie. Je ne peux qu'avoir de l'empathie pour ça. Premièrement, on est dans une période de grande, grande confusion. On est confus parce qu'on a beaucoup d'informations, qu'on a de la difficulté à gérer. On est très, très sollicité. On est inondé d'informations et de sollicitations de toutes parts, partout où on met les yeux, particulièrement les médias sociaux. Et d'une part. Deuxièmement, le sens de notre vie est plus difficile à accéder parce que la culture s'effrite tranquillement. La culture est de moins en moins claire. Les règles du jeu sont de moins en moins claires. On a de plus en plus de choix dans la vie. C'est correct des choix, mais les choix viennent avec leur lot de difficultés, entre autres avec de l'anxiété. C'est-à-dire, si tu augmentes le nombre de choix puis tu n'as pas l'équipement pour faire des choix, tu vas augmenter l'anxiété. Ça va être une des conséquences typiques qui va se passer. Et puisque l'anxiété augmente, il y a un paquet de systèmes qui nous fait faire des choix de la mauvaise façon, l'anxiété continue d'augmenter, on regrette parce que ça ne fonctionne pas, donc on se rétracte, on hésite, on doute de choix. Donc, une des conséquences, c'est du doute perpétuel. Et en ce moment, on est beaucoup dans ça, donc on a besoin, les gens, vous, moi, tout le monde, on a besoin de repères pour s'orienter dans ce monde-là confus. Et c'est pour ça qu'il y a comme une espèce de recrudescence de gourous, ou même des personnes qui, dans leur tête, ne sont pas des gourous, mais ils ont toutes les caractéristiques des gourous, qui se comportent en gourous, qui prétendent des choses qui n'existent pas, exactement comme des gourous. Donc, on voit beaucoup de ça. Ça s'accompagne beaucoup de narcissisme également en ligne. Donc, le narcissisme fait partie du monde en ligne. Donc, tout ça, ça crée une espèce de double réponse du public. La première partie, c'est « Ah, oh, il y a peut-être quelque chose qui va vraiment me sauver, quelque chose qui va m'aider, enfin des réponses, qui va me rassurer, parce que les humains ont besoin d'orientation, de guide. » Ça, c'est parfait. Il y a besoin de sentir, de se faire aider, de se faire comprendre, si on comprend ça. Et d'un autre côté, c'est que le trois quarts des choses qu'on retrouve en ligne, ben, c'est le produit du narcissisme et c'est le produit de schémas psychologiques qui sont malsains, qui sont associés entre autres aux gourous. Donc évidemment, on est comme entre les deux. On a une méfiance, mais autant on veut croire. Donc dans un premier temps, je veux nommer ce phénomène-là puis à quel point je suis empathique à ça. C'est, je vous dirais, pour moi, un des défis des 20 dernières années, ça fait 20 ans que j'ai créé Psycom. Ça fait 20 ans que j'ai créé les formations Psycom 1, 2, 3, évidemment, qui ont évolué avec le temps, mais ça s'est fait extrêmement lentement. Puis j'ai fait mon doctorat là-dedans. Je faisais plusieurs choses là, en même temps. Mais un des soucis principaux que j'avais, c'est toujours de être respectueux envers le public, puis surtout ne pas mentir, c'est-à-dire de dire et de prétendre quelque chose qui est vrai, qui existe, que je peux démontrer, qu'on peut prouver. Et la science, ça sert à ça. Et c'est pourquoi avoir des études en science, c'est important.
avoir un background scientifique, une pensée scientifique réelle, un jugement scientifique est important. Être capable de comprendre la science, de lire la science, même d'en faire la science, c'est important. Parce que ça permet de voir plus clair sur ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Ce qui est un désir de la réalité, ce qui n'est pas nécessairement la même chose, comme vous le savez. Et j'ai toujours eu ce souci-là de dire, si je dis quelque chose publiquement, ou si je dis quelque chose en ligne, comme dans mes messages et tout ça, est-ce que je peux vraiment faire la démonstration de ça? Il y a beaucoup de gens qui disent, mais Guillaume, si ça fait 20 ans que tu fais ce travail-là et que ces ateliers-là existent, pourquoi seulement maintenant tu t'en parles plus? Pourquoi c'est depuis seulement peut-être 3-4 ans que ça a pris plus d'essor? C'est que ça a toujours été très, très progressif pour moi. Et le trois quarts de mon travail des 20 dernières années, c'était de rendre les formations que je donne les plus puissantes possibles et valides objectivement, que ce soit dans les fondements scientifiques que dans l'efficacité. Puis quand je dis l'efficacité, c'est pas que les clients disent « Moi, je sens que je me suis amélioré en communication, par exemple, ça m'a fait du bien. » Pour moi, c'est super. Le sentiment de se faire du bien. Mais pour moi, ce n'est pas acceptable du tout. Okay? Cette auto-évaluation basée sur le sentiment n'est pas acceptable. Et pour moi, vendre un sentiment de satisfaction, c'est très, très proche de la fraude. Très, très proche de la fraude si ce n'est pas accompagné de preuves tangibles de l'efficacité de quelque chose. Maintenant, depuis plusieurs années, en fait, je peux vous dire que ce qu'on fait dans Psychom, c'est solide scientifiquement. Ça ne veut pas dire que des cours, c'est une expérience scientifique. De la pédagogie, okay, de la pédagogie, le fait d'enseigner quelque chose, ce n'est pas de la science directement. Okay? Un cours, c'est plein de choses. Oui, il y a la science de la pédagogie là-dedans, c'est clair. Il y a les fondements scientifiques, par exemple, d'une théorie, d'un mécanisme. Mais comment tu enseignes à quelqu'un? Mais là, il y a plein d'autres mécanismes là-dedans, comme par exemple du storytelling, comme par exemple des métaphores, comme par exemple des exercices qu'il faut construire, la façon de coacher, etc., etc. Tout ça, bien, ça s'additionne à la science. Donc, il faut faire la différence entre la pédagogie des fondements scientifiques de quelque chose. Mais c'est clair que si les fondements scientifiques ne sont pas là, ça veut dire que c'est du vent, tant qu'à moi. Ce n'est pas réel, ce n'est pas sérieux. Et c'est du charlatanisme, à quelque part. Donc, je voulais vous dire que je comprends 100% tous ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là. Bon, il y en a qui me comparent avec différentes autres personnes qui sont très, très connues, tu sais, comme par exemple Joe Dispenza. Puis, ah oui, c'est comme Joe Dispenza. C'est comme absolument pas. Creusez 2 minutes. Tous ces gourous-là, comme Joe Dispenza, c'est des gourous. Ça vend de la spiritualité, de la pensée magique. Puis là, tu mêles ça avec la physique quantique là-dedans pour rendre ça plus mystérieux et pseudo-scientifique. Bref, il y a plein de façons qui existent pour manipuler les audiences. Plein. Puis encore là, j'ai rien contre faire de la business, j'ai rien contre le marketing, pas de problème. Mais à un moment donné, en bout de ligne, est-ce qu'on vend quelque chose de qualité? Est-ce qu'on offre un produit de qualité? Est-ce qu'on offre un service qui est respectueux pour les gens? C'est ça la question qui est importante à se poser. Et je pense que c'est tout à fait important que vous soyez critique sur dans quoi vous vous embarquez. Je pense que c'est absolument sain. Et je pense qu'une des choses, c'est qu'il faut se renseigner. Il faut savoir qui on a affaire. Il faut savoir c'est quoi les preuves d'efficacité de quelque chose. Il faut savoir c'est quoi les fondements de ça. Est-ce que c'est scientifiquement valide? C'est quoi les diplômes que cette personne-là a? C'est quoi son background? Bref, je pense qu'il faut se renseigner. Je pense que c'est absolument sain, surtout dans l'ère de médias, de sursollicitation dans laquelle on vit. Je pense que c'est un réflexe qui est important. Et je pense qu'il faut aussi être conscient de dire, OK, moi, par exemple, moi, j'ai vraiment besoin d'aide, là. Mais plus vous êtes désespéré, plus vous allez avoir tendance à vous lancer dans un peu n'importe quoi, mais qui va être très, très bien ficelé au niveau marketing. Encore là, j'ai rien contre le marketing.
Mais tout est une question de fond. C'est quoi le service réel? C'est quoi le produit réel? C'est qui la personne qui vous enseigne? Et des fois, c'est important de prendre son temps, de ne pas dépenser son argent à gauche puis à droite sur n'importe quoi, parce que ça va vous empirer. C'est très facile d'avoir un effet placebo avec une formation, avec quelqu'un. Ça nous fait sentir bien. Puis écoute, c'est des gigamachines, hein? Des machines de gourou, là. C'est des mécanismes qui sont extrêmement bien rodés. C'est des machines de marketing qui sont extrêmement convaincants, extrêmement charismatiques. Mais il n'y a pas de fond, il n'y a pas de fondement à ça. Puis, tu sais, pour revenir à Psychom 1, 2, 3, ce que je fais, Précog, peu importe les formations que je donne, ça fait des années, des années, des années que j'ai fait ça dans l'ombre parce que je voulais pas, je voulais prendre le temps que toutes ces formations-là soient exactement comme je les souhaite, avec l'efficacité que je souhaite. Et c'est pour ça que vous en entendez plus parler au cours des, mettons, des 5-6 dernières années, c'est que ça prend du temps d'incubation, ça prend du temps de développement. Comme n'importe quelle technologie, comme n'importe quelle chose nouvelle que tu veux développer, tu dois mettre le temps. C'est pas magique. Et Psychom, il n'y a rien de magique là-dedans, il n'y a absolument rien de magique. Mais la force de Psychom, c'est très humblement, je pense que j'ai pris le temps de mettre les bons éléments scientifiques là-dedans, d'une part. Deux, de l'intégrer dans une bonne pédagogie. Deuxièmement, de développer la bonne façon de l'enseigner moi-même et même d'autres personnes qui enseignent avec moi. Donc, très humblement, c'est ça qui fait en sorte que ça fonctionne. Mais c'est 2 millions de petits détails mis ensemble qui font en sorte que ça fonctionne. Il n'y a aucune magie là-dedans. Mais parce que la vie, ce n'est pas de la magie. Donc, si vous achetez de la magie à quelque part, mais la vie, ce n'est pas magique, la seule personne qui va en sortir perdante, ça va être vous. Donc, moi, je vous recommande justement de ne pas investir dans ce qui a l'air trop magique. Voilà, c'était mon commentaire sur les gourous et la science. C'est ça, je croyais important de vous en parler. Je reçois trop de messages sur des gens qui ne savent pas vraiment la différence entre un gourou et ce qui est crédible, parce que le marketing, il brouille les cartes un petit peu. Donc, soyez vigilants et investissez avec ce qui n'est pas magique, parce que ça va plus marcher.